Laissez-moi ouais, aller jusqu'à lui. Animal Crossing est quand même pas mal dans cette catégorie-là. Je pense qu'il nique quand même pas mal Stardew Valley. Hein. Ah. Tu as toi-même craqué. Ah, ça pète de partout. Ah, ça m'a pris la tête. Ah bah, je crois que c'est bon là. Eh ben, au bout de la troisième fois. Ouais, Stardew Valley, bah oui, ça fait un moment qu'on n'y a pas joué hein, tous les deux. Et jeu très cool, vas-y, très chill. Je suis en train de lire le chapitre développement de Stardew Valley dans le livre de Jason Schreier. Faut qu'on refasse une session de Stardew Valley. Il y avait aussi quelque chose comme 5-6 ans à le dev tout seul au début, et à la fin ils ont fini, ils étaient 3, je crois, un truc comme ça. Ouais, ah, oui. C'est assez impressionnant de... pour le mec qui a fait tout seul son jeu dans son coin. Ouais. Attends, c'est tellement le rêve de tout game dev de faire ça, mais bon, faut la moula quoi, faut manger. Mais ouais, c'est ça. Ah, j'aimerais tellement faire mon jeu dans mon coin aussi. Ah, dans mon garage. Pense. J'ai pas de garage. Moi non plus. Tu vois le mec devenir fou petit à petit. Ah, tu m'étonnes. Non, mais normal. Hein. C'est chaud. Ah non, je reviendrai ici plus tard. Oui, il te manque un cadavre. Ah, il me manque un cadavre, effectivement. Tu peux appuyer sur R pour que la petite fille sniffe le prochain cadavre. Mais je crois que je suis trop loin. Elle sniffe rien là. Bah oui, ça se fait de faire son jeu, mais le truc c'est que c'est... Enfin, faut pouvoir être à plein temps dessus, faut pouvoir gagner de l'argent, donner de l'argent aux gens qui t'aident, etc. Quoi. Mm. Enfin, pour moi, c'est inévitable de faire un jeu en étant... en travaillant à côté, mais... dans l'idéal, faudrait que les gens qui fassent leur jeu ne travaillent pas à côté, faudrait qu'ils soient à plein temps dessus, quoi. Comme pour l'art de manière générale, les gens qui font de la musique, qui font de l'illustration, etc. Je sais pas, c'est un enfer. Bah, faire son jeu en anglais dans son coin, je pense pas que ce soit forcément un enfer. Si t'as des potes à côté, si tu t'arrives à partager ton temps, c'est... T'arrives à garder une sanité, c'est correct, hein, je pense. Mais peut-être que c'est pas pour tout le monde non plus, quoi. Il y a des gens qui sont peut-être plus sujets à... Il faut se limiter surtout après, ça dépend de tes attentes. Oui. À la surface, vos parents usaient de leurs innombrables compétences pour subvenir à vos besoins. Ils ont appris à manipuler les mensonges de l'Église et du gouvernement, espérant ainsi vous protéger. Mais les parasites ont empêté. Non. Ça se fait même avec un taf, faut juste s'organiser avec une chose. C'est une chose qu'on sous-estime. Ouais. Après, faut avoir les bonnes compétences aussi pour ça. C'est ça, hein, parce que là je vois ce que dit Dany, faut oublier qu'on parle de Stardew Valley, on va pouvoir parler de 2-3 jeux comme ça qui ont été développés par un mec dans son coin. Rendez-moi l'enfant, tout de suite. Ouais, ça c'était de quantité de jeux qui sont comme ça. Ça se fait même avec un taf, moi je trouve ça hyper dangereux de penser comme ça en vrai, hein, parce que cumuler un taf plus un projet perso derrière, moi c'est un truc que je fais beaucoup, et je peux te dire, il y a des moments, tu t'en rends pas compte, mais tu sombres dans la... Enfin, tu sombres dans le stress, dans l'anxiété et tout ça, quoi. C'est terrible, quoi. Genre, tu travailles moins bien la journée, tu bosses pas forcément aussi bien le soir, t'es fatigué tout le temps. Enfin, le mieux, vraiment, ce serait d'être à plein temps sur son projet, quoi. Parce que moi, si tu peux passer 8, 9, 10 heures par jour sur ton projet perso, ben, au moins, tu peux gérer beaucoup mieux ton temps, quoi. T'as pas à rendre des comptes la journée et à te dire putain, le soir, je suis trop fatigué pour bosser sur mon truc, j'ai pas envie, mais je me force et c'est horrible. Exactement, Dany, c'était ça que je sous-entendais. Hollow Knight. Qui? Ah. Elle est verte ou rouge verte? Ok, tout va bien. Non, elle est verte parce qu'elle t'a pas encore vu. C'est vrai. Vois-moi. S'il te plaît. Je suis là. Mais non, tu veux pas qu'elle te voit. Bah si, justement. Parce que là, je peux pas la pirater tant qu'elle m'a pas vu. Voilà.
yeah. Oui. Wow. Oh non, mon portefeuille est plein. Oh mais non. Ah, ça t'apprendra. Oh, c'est riche, oui je sais. Dans le jeu seulement. Allez, regarde mon papillon. Aujourd'hui, troisième séance avec la psychologue anglaise, le docteur Lamb. Selon elle, l'obsession à la con de Ryan pour la compétition nous monte tous les uns contre les autres. Elle dit que ce dont on a besoin, c'est d'unité, de solidarité. Après ça, elle a mis un miroir devant mon visage, et là, j'ai vu que j'avais la même coupe de cheveux et la même moustache que Ryan. Alors aujourd'hui, c'est décidé. Je parle de cette lampe autour de moi, et ce soir, je me rase la caboche. Que je ne peux pas ramasser, c'est presque frustrant en fait. Full Throttle. Je sais que ces installations sont sous-scan pour préserver le secret dans Rapture. Je loue quoi ça? Représenté sous les traits d'un monstre de cire terrifiant. Je dis ça, il y a 6 mois j'ai streamé. J'ai parlé à Atlantide. Qu'est-ce qui était bien? C'est pas relou de streamer un jeu d'aventure comme ça, dans le sens, relou dans le sens où ben, tu sais, t'as un peu la flippette de débloquer. Moi, je suis tellement bloqué facilement un jeu d'aventure, j'adore ça, mais. Mais non, parce qu'en fait, t'as le chat. Ah. Une chance sur deux pour qu'il y en ait un qui l'ait déjà fait. La deuxième chance, il y a quelqu'un qui est en train de suivre un walkthrough et qui te regarde galérer. Et la troisième, vous réfléchissez ensemble. Ah ouais, et là, tu fais au secours, je suis bloqué, aidez-moi, s'il vous plaît. Backseat autorisé. Perso, j'arrive à gérer ma vie artistique et perso, malgré le bon nombre de trucs à faire. J'avoue que c'est des choix sur sa vie perso, mais l'essentiel, c'est d'être bien entouré. Ouais, c'est une question de dosage, en fait. Hein. Mais comment on fait, là? Quelle nouille. Pourquoi tu me mets un... Je sais qu'on peut passer par là, je le sais, parce que je suis déjà passé lors de ma première run, mais je sais plus comment on fait. Bah, il va falloir trouver un interrupteur quelque part. Sinon, je me retape le chemin dans le sens inverse, mais ça me paraît bizarre. Alors, c'est un interrupteur pour ouvrir la porte d'un truc d'employé. Donc, sûrement pas dans les décors, mais derrière. Ouais. Pas de bêtises. Mais regarde, Ride Maintenance and Plug Only, donc c'est là que tu viens. This way, c'est par là. Comment j'avais fait? À mon avis, faut que tu remontes un petit peu plus là. Ouais, je pense. Parce que quand je mets une fléchette là.